ce geste que nous avons fait en venant aujourd'hui, c'était pour faire marque de notre, en tout cas, de notre compassion, de notre fraternité, de notre disposition et disponibilité à œuvrer, à continuer à œuvrer pour la paix et à toujours justement bénéficier de l'expertise et puis du soutien, de l'appui de la République du Tchad et des autorités tchadiennes dans les efforts qu'ils ont toujours entrepris pour la stabilité en République centrafricaine et mutuellement arriver à trouver une solution totalement pacifique et à mettre à mal justement ces ennemis de la paix, ces forces du mal pour ne permettre à nos deux peuples de vivre dans une quiétude qui est totalement méritée. Pour ce qui concerne le Tchad, le plus important dans l'immédiat, c'est de faire la lumière sur cette attaque et afin de situer les responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas passer un trait de plume sur les morts, les blessés, les dégâts matériels.